Re-salut tout le monde, c'est toujours Capi, je suis encore en compagnie de Bounty, on est parti pour la partie 2 du petit gameplay, enfin du petit let's play pardon, sur Diablo 3. Et là on va rentrer dans la cathédrale de je ne sais pas quoi, ça s'appelle de cathédrale. De la cathédrale. La cathédrale de la cathédrale. Oh, si. Et on se pète la gueule. Et boum! En plus ça a pas fait de bruit quand t'es tombé. Ça fait. Moi je trouve ça trop beau le truc bleu là. Ouais, c'est classe. Ouais. J'ai pété trop fort et. Ça a fait un trou. Oh là là. Donc on commence à faire un peu plus de dégâts que à l'épisode avant. Ouais, quand même. Allez, on leur pète la gueule. Toujours pas de légendaire après un premier épisode, malheureusement. Mais c'est rare hein, au début. Boum! Et boum, le lampadaire. Donc là, on avance au hasard. Et boum! T'as pas le jump toi maintenant? Ah, c'est pas là. Oh, il y a un élite, non, pas encore. Pas un lampadaire? Quoi? Y'a pas un lampadaire? Non, malheureusement. Et on focus le même là, le 1300. C'est chiant ce truc vert là par terre. Mais ouais. On dirait du vomi. Ah, en route pour l'abattoir. Parti. Il y a trop de trucs verts, c'est bon. Ouais. Et voilà, il y a les chiens, ils sont en train de se battre contre le frère de Bilal. Oh, une épée. Ah, une masse. Oh, 50% de dégâts en plus. Nice. NP. On s'en fout. On s'en balèque. Ah, c'était par là qu'il fallait aller en passage plus. léorique. Attends. Un chaperon en couille. C'est le même que je. Que j'ai déjà. Je ne peux pas rejoindre le groupe. Ah ouais, je connais ici. C'est clair qu'il fait peur quoi. Il dit arrière! Et c'est lui qui se barre en courant, tu vois. Ofti. Oh pour démarrer sauf non. Des squelettes. Elle est Et là. boum. Elle est Aidez-moi. légère, regarde comment elle est légère. Ouais, il leur fait peur. C'est ça. Allez les taper eux. C'est ça, complètement quoi. Ouais, vous sauvez. Ouais, c'est ça. Ils t'ont même pas tapé. Le masque de bulle de vie quoi. Ouais, ça sert à rien. Oh, un mythique. Élite, Élite. Mais pour moi, élite, c'est les jaunes. Hein. Ouais, Et les enfin, bleus, c'est mythique, je pas crois. Là. exactement. Moi, j'ai toujours appelé ça élite, les jaunes. T'as pas encore le truc qui fait comme l'ulti de Fiora, là, tu vois. Non, pas encore. Ça C'est fait. cette phrase. Ta-t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 a. Oh, c'est pété, ça. C'est quoi un cristaux de puissance? Jamais compris. Vous déplacez plus Alors, rapidement et gérez d'énormes décharges d'énergie qui plaisent vos ennemis et les gobelins de vie. Mais parce qu'ils tapaient pas! J'ai fait te ramener près de Léa. Il a le bloqué caché. Allez, bouge le livre, bouge le livre. Et voilà! Allez. C'est pas tout ça, mais t'avances pas donc.
Allez, on va à Tristram. Oh, J'ai cinématique. tenu ma promesse de Chut. sauver Caïn, l'oncle de Léa. Il était dans les griffes du roi squelette, qui m'empêche encore d'atteindre l'étoile. Ok. Ouais. Oh. On dirait le commentateur coréen là qu'il y avait pendant les Ouais. Wars. Ok. J'ai besoin de ta sagesse. J'ai besoin de ta Parle-moi de sagesse. l'étoile qui est Parle-moi de tombée. l'étale qui est tombée. La prophétie la désigne comme un signe annonciateur de la fin des temps. S'il te plaît, oncle Descartes, assez d'histoire. Ce qui compte, c'est que tu sois revenu. Les esprits sont avec Sans... Oh, une couronne. Oh oui, j'ai moissonneur d'âme, ça c'est bien. Oh, j'ai le TP. Bienvenue Téléportation. dans le paradis blanc. Bon, on va augmenter le forgeron déjà. Je mets toute ma thune dedans, hein. Niveau 5, niveau 6. On va tout recycler. C'est à toi le coup de poing usé là. Ouais, bah j'ai Arme pas de faim. pugilat. Puis là. Il a sombré dans la folie des maléfices. Lire ça comme mon perso, il est devant là, genre. Hein? Hein? Putain, tu... Intéressant. Tu peux de la gueule. Et Tu peux de la maintenant, gueule. j'aimerais qu'il soit ressorti du tombeau pour tourmenter ce pays encore une fois. Léoric devrait être dans les terres informes. Pourtant, il se trouve entre moi et l'étoile. Entre moi et l'étoile tombée du ciel. Fou là-bas le forgeron, sérieusement. Ah mais ouais, on va devoir tuer sa femme là, Sa c'est ça. femme, ouais. Et là, il y avait une technique, c'est tu le tapes, tu tues sa femme et puis tu passes en T6 et tu viens finir la quête. T'as jamais fait ça? Non. J'ai vu ça sur Millennium, c'est un tuto pour comment XP super rapidement. Tu prends genre 10 millions en pas Bah longtemps. c'est pour ça qu'ils ont enlevé, je crois que tu peux augmenter la difficulté. Ouais? Bah ouais, c'est logique. Mais pourquoi il y a toujours le bouton là? J'ai Ah, jamais je pu l'ai pas appuyer vu. dessus. Hein. Je Peut-être quand t'es l'ai. en normal, tu peux peut-être monter. Non, même pas. Là, je fais des dégâts. Avec moissonneur d'âme, ça c'est bien. Puiser la force vitale d'un maximum de 5 ennemis présents dans les 15 mètres, gagner 2% de l'intelligence par ennemi affecté, l'effet du... Donc quand t'as masse, tu fais moissonneur d'âme, t'es Et boum. une machine. Arrête de pleurer. Bah oui, pleure pas. Tu vas mourir comme les autres. Et puis là. C'est ça, non? Je crois qu'elle va quicher. Un élite. Elle bug. Mais je peux pas les taper, je peux pas les taper. Même le forgeron il tape avec nous. C'est qui ta femme? Profites-en, hein. Javelot d'aventurier. Je n'y serai jamais arrivé. Et boum. Oh, j'ai un nouveau passif. Oh, mais moi, le problème, c'est que le premier sort, c'est le meilleur du féticheur. Donc, c'est les fléchettes là avec écharpe. Ça envoie trois Oui. flèches pour un seul clic, c'est trop bien.
Ça fait Timo, Timo. Bienvenue dans le Oula, on paradis voit cela. plein. Ils ont pas de vie, de Ah, feu. c'est tout. Ok. Ah, on peut mettre un passif, ça c'est bien. Alors, je vais mettre. Chaque fois qu'un ennemi meurt dans les 20 mètres, il y a 15% de chance qu'un chien zombie apparaisse automatiquement. Ou alors, tous les dégâts sont réduits pour vous et vos familiers sont réduits de 15%. On va mettre ça. Mais bon. Allez, on tape et on tape, tape, tape. Là, ça va, on commence à faire des Ouais. dégâts, c'est bien. Bim, bim, bim. Et ils sont où mes chiens là-bas? Ils vont tout le temps sur les persos qu'on tape pas, je sais pas pourquoi. J'ai mis un arc. Allez les chiens, regarde où ils sont encore. Rire ça, je comprends pas. Sois pas comme un autre. Allez, tapez, voilà. Et on tape, tape, tape. C'est quoi la lumière bleue là? What? Y'a un bug, ils me disent que t'es là-bas en dessous. Je tape vachement plus hein, quand je fais le moissonneur d'âme. Oh putain, il a tué ses potes. T'as vu? Ouais. Il a fait hop. Hop, attends, on va voir s'il n'y a pas des trucs là-dedans. Une chauve-souris. Oh, il y a de la pisse. Viens. Non. Si, si, viens. La C'est du pisse. pont. Plus là. Oh non, il a le TP, ça y est. Et vous. Oh. De la thune. Bim, bim, bim. C'est quoi le jump là que t'as fait en arrière? C'est eux qui me poussent en fait, ils ont Ah! renversé. Je me dis putain, je connais pas ce sort là. Oh mon dieu, derrière ça mon casque. Les trucs qui font des nids là. Ouais. Résistance ou quoi? Ouais, Allez, comme ça. tapez. Qu'on est plus là du coup. Bah on est en calvaire quoi. Faudrait limite augmenter. Non, non, regarde ce que je prends déjà. Mais en fait quand j'aurai la première rune
Des chiens, là c'est buveur de sang ou je sais pas quoi, là je peux tanker. Là, normalement, tu l'as, non? Non, bon. Enfin, pas que je sache. C'est niveau 12. Attends là. La morsure des chiens invoquée devient. Ah non, merde, c'est le dernier! Voilà. C'est même pas ici la quête principale. Ouais, je sais bien. C'est pour voir s'il n'y a pas des coffres ou des trucs comme. Ou un gobelin. Et puis le pactole. Le pactole. Oh, son père. Oh, il y a un élite. Ouais, je crois que je m'en vais bien. Mais ça va aller de me faire sauter là comme ça. Et on tape les petites chauves-souris. Oh le jump. Oh, s'il vous plaît. En fait mon clic droit c'est la flaque de Nasus là comme ça. Ça fait pas de Ouais. dégâts mais ça fait des petits tics à la con comme ça, c'est chiant à mort. Allez, presque mort. Ben voilà, on y est arrivé. Punaise. Elle est sortie ici. Ah non, c'est la cave numéro 2. Et on tape. Un coffre. Deux Ouais, pièces. 72 pièces dans un coffre, super. The coffre, quoi. Un coffre resplendissant. Ah, Ah, là y a ce truc. oh, les trucs jaunes, c'est nice. J'ai eu un mojo. En fait, le premier coffre, c'était genre pour faire une blague, là, tu vois. Un jaune. Debout, ta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 t
Oh, son père. Bon, quand on sortira de la grotte, à mon avis, on coupera la vidéo. Ah bah c'est juste là. Ouais, c'est là. Parce qu'on est déjà à 20 minutes. Ah bon? Ousse. Allez taper les chiens! Bande de chiens maigres! Manger une baguette pour sorcier. Entrée du donjon. Et on va pouvoir couper. On va l'attendre. Avant d'aller plus Couper, loin, décaler. on va. Oh, allez, on va faire ce groupe-là et puis on fait couper décaler. Mettre ta main sur le côté. C'est chiant les anguilles, hein. À chaque Ouais. fois on sait pas c'est lesquelles tellement qu'il y en a. Bon voilà. Bon ben on va dire au revoir. Merci d'avoir regardé le deuxième épisode. Je ne sais pas encore comment la série va s'appeler, on va trouver un nom. On se dit à très bientôt pour la suite. Je crois qu'on va encore faire un épisode tout avec Bounty, on dira jusqu'au moment où on en a marre, entre guillemets. Oui. Et donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Salut à tous!